tous, je suis Abélina, médium canal de naissance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des Facebook Live qui ont eu lieu sur ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, c'est Abélina. Nous sommes le 27 mai 2019, au lendemain des élections européennes. Et comme promis sur la page Facebook, je vous fais un petit audio compte tenu du nombre impressionnant de MP que vous m'avez envoyé avec des interrogations, des craintes, etc. Alors la première des choses, c'est on respire. Respirez, puisque nous sommes dans un calendrier qui ne fait que commencer par rapport au gouvernement. Je renvoie tous ceux qui arrivent par hasard sur ma page Facebook. Je vous renvoie aux audios qui ont été censurés que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube, notamment l'audio numéro 2, mais également le live explicatif du 29 mars. Voilà, vous avez donc deux supports où vous avez toutes les informations qui, de toute façon, reprennent, regardez bien, ce qui se passe. Il avait été indiqué dans ce que j'avais canalisé que le parti au gouvernement ne serait pas premier. C'est le cas, puisque sinon, ça aurait été un petit peu trop gros. Je vous ai également partagé dernièrement à répétition que je voyais des choses anormales se passer au niveau du dépouillement, en tout cas au niveau du scrutin, qu'il y avait une difficulté. Alors je la confirme, aujourd'hui on peut s'en rendre compte puisque pour moi j'avais un chiffre entre 12 et 15% pour le parti au pouvoir, or on est quasiment à 24%, ce qui me laisse pantoise. Dubitative, mais surtout je comprends l'insistance avec laquelle on évoquait qu'il fallait être présent, qu'il fallait surveiller les dépouillements notamment. Encore une fois, tout ce que j'évoque ici est accessible sur le fil d'actualité de ma page Facebook. Le scrutin a donc eu lieu. Nous nous retrouvons désormais avec des partis comme le parti animaliste qui, j'ai vu ce matin, dépose plainte puisqu'il y a des manques de bulletins sur certains bureaux de vote. Je pense donc que ce type de plainte va se multiplier par rapport au type d'élection que nous venons de vivre. Alors, j'aimerais également vous préciser une chose, c'est que j'ai reçu beaucoup de MP qui me parlaient d'éléments qui ne correspondent pas du tout à ce que moi j'ai indiqué dans ce que j'ai partagé avec vous. Donc je pense que vous mélangez avec d'autres, peut-être cartomanciens ou autres, qui ont indiqué qu'il n'y aurait pas d'élection, qu'il y aurait un putsch, etc. Reprenez ce que moi j'ai indiqué, je ne peux pas vous répondre sur ce que d'autres disent avoir canalisé ou reçu dans le cadre de leur tirage. Ce qui est certain, c'est que ce que j'ai partagé correspond à ce que je continue à ressentir, à savoir que cela va faire monter la pression dans le pays, qu'il y a eu une mobilisation sans précédent pour aller voter. De ce que j'ai vu ce matin, plus de 4 millions de personnes inscrites en supplément et on voudrait donc nous laisser penser que sur la totalité des personnes qui ont voté, il y aurait donc 24% de personnes qui seraient satisfaites de ce qui se passe dans notre pays. Donc je vous le redis, je ne peux pas répondre sur des affirmations qui ont été faites par d'autres personnes, je ne peux que m'appuyer sur ce que j'ai reçu. Vous allez avoir dans l'intitulé tous les liens pour pouvoir vous replonger dans ce que j'ai donné. Et si vous écoutez bien sur l'audio numéro 2, je rappelle que c'est à l'automne qu'il y a une mise aux arrêts du président actuel. Donc je ne peux pas vous dire oui, il va prendre ses cliques et ses claques. Alors depuis ce matin, bon nombre de personnes sont sous le coup de la sidération par rapport au fait que ce qui avait été annoncé s'est produit. C'est un copier-coller des sondages et vous pouvez, si vous avez un peu de discernement, vous rendre compte que c'est très étrange tout de même. En tout cas, moi je me fie à mes ressentis et ce qui avait été transmis sur des fraudes au niveau électoral et je pense que nous allons découvrir, puisque bon nombre de partis ne vont pas se laisser faire, nous allons donc découvrir encore des choses et nous en avons, je le redis, jusqu'à l'automne. Donc il ne faut pas baisser les bras, il faut rester droit dans vos bottes par rapport à vos vœux, aux projets que vous avez pour ce pays, pour l'avenir de nos enfants et ne pas succomber à ce dernier coup qui nous a été infligé. N'oubliez pas, et c'est très important, qu'il s'agit de tout un système. Et le système n'est pas prêt à lâcher la gamelle qui est bien grasse. Le système en lui-même fonctionne uniquement en vue de la globalisation, donc de la mondialisation. Pour tous ceux qui sont très heureux dans leur vie, dans leur mode de fonctionnement, c'est parfait. Nous en sommes également très heureux pour vous. Pour tous ceux qui souffrent, et malheureusement ils sont bien plus en nombre, laissez-la sur le bas-côté. Il va s'agir de ne rien lâcher, absolument ne rien lâcher. Car sur l'automne, c'est là
où il y aura cette fameuse porte de sortie, mais pas avant. Si j'ai une recommandation à vous partager, c'est de limiter tout ce que vous pouvez consulter au titre de ces fameuses évolutions dans notre pays, parce qu'au bout d'un temps, si vous suivez une, deux, trois, quatre, cinq personnes, vous allez tout mélanger. Vous ne saurez plus qui a dit quoi, pourquoi, comment. Et je pense que c'est important, non pas d'être tous les jours à prétendre avoir des informations sur notre pays. J'ai eu aussi beaucoup de questions sur est-ce que la médiumnité, c'est commenter des faits d'actualité? Bien sûr que non. La médiumnité, c'est recevoir des éléments. On n'a pas toujours la compréhension du contexte, alors on les livre tels que l'on a, et puis ils se réalisent. Pouvoir faire un décryptage de l'actualité, vous prenez, vous faites vous-même. Vous ne pouvez pas vous dire médium parce que vous donnez votre avis sur l'actualité. Ce n'est pas ça la médiumnité. La médiumnité, c'est d'avoir des informations avant que les faits se produisent. Petite parenthèse terminée. Voilà, donc moi, je vais vous souhaiter du courage. Là, vous avez eu ce qu'on appelle une secousse. Avant, on a eu juste la secousse, juste avant les élections. Comme ça, on est bien dans le secouage de coco. Maintenant, c'est de reprendre ses esprits, de revenir dans l'objectif qui est l'objectif individuel. Que pensez-vous? Que voulez-vous? Vers quoi voulez-vous aller? Rassurez-vous, pour moi, les choses ne vont pas rester en l'état. Ça va bouger. Donc, restez dans vos convictions. Comme je l'avais déjà indiqué précédemment, ce que je voyais, c'est également l'évolution du mouvement entre guillemets des gilets jaunes, et je n'ai eu de cesse de dire enlever ces gilets. Il faut désormais que ce soit les citoyens dans la rue, ce qui permettra évidemment de pouvoir accéder à tous les lieux de manifestation en totale sérénité, et imaginez la difficulté pour les forces de l'ordre de tirer face à des civils présents en nombre et qui pourront enfin assister librement à des manifestations, puisqu'à partir du moment où vous n'avez plus de gilets jaunes, vous n'êtes plus contrôlé. Vous n'êtes plus mis en garde à vue, vous n'êtes plus retenu, vous n'êtes plus donc dans le déni de votre liberté de circulation et surtout liberté de pouvoir manifester. J'attire une nouvelle fois votre attention sur ces forces de police. Regardez leur uniforme tout beau, tout propre. Lors de mon premier audio qui avait été censuré sur la page Facebook, l'audio du 18 novembre 2018, j'avais indiqué que je voyais une milice européenne intervenir sans foi ni loi et réprimer le peuple. Eh bien, vous pouvez regarder, il n'y a pas de numéro de matricule. Regardez, leurs uniformes sont propres. Quand on voit les états de commissariat en France, on peut vraiment s'interroger. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Je crois que de nouveau, ce que l'on m'avait livré en canalisation est avéré. Il s'agit bien d'une milice européenne que l'on ne peut pas encore appeler armée européenne, puisque le fameux projet collectif n'a pas encore été validé sur ce point. Donc vous l'aurez compris, ce n'est que le début d'un grand et long moment jusqu'à l'automne de lutte importante pour pouvoir récupérer cette fameuse démocratie et ne pas parler de république, car la république défend un système, en tout cas le système s'est appuyé sur la notion de république. Je suis quelqu'un de fondamentalement respectueuse des institutions. À partir du moment où celles-ci sont dans l'intérêt du plus grand nombre, au bénéfice du bien commun et non plus pour le bénéfice de certains. Donc je vous laisse sur ces paroles, réfléchir à ce que vous souhaitez pour vous, pour demain, pour vos enfants. Prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne journée.